Hello, mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga bien. Et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une nouvelle recette. Comment fabriquer son glow oil clarifiant, éclaircissant, gourmand pour le corps, pour faire briller votre corps. Regardez-moi ces composants. La vitamine C, le SEM White, l'acide salicylique. C'est une tuerie, cette petite formule. Donc, là, pour notre fabrication, on aura besoin, comme je l'ai dit tantôt, du SEM White. Le SEM White, c'est une poudre blanchissante, mais la quantité que je vais utiliser dans cette formule, ça va vous faire gagner une teinte. C'est tout ce que je recherche, donc je ne mettrai qu'une petite quantité. Je vais utiliser l'acide furulé qui va venir stabiliser, renforcer l'efficacité de mon SEM White et aussi booster l'efficacité de ma vitamine C. La vitamine C utilisée dans cette formule, c'est le 3-oxygène-ester de l'ascorbic acide. C'est une molécule de la vitamine C très, très, très efficace. En tout cas, de tout ce que j'ai testé, c'est mon préféré. Je vous fais une vidéo spécifique cette semaine. Je vais décortiquer, vous allez l'adorer. Je vais utiliser donc, comme je l'ai dit tantôt, l'acide salicylique qui va me servir d'exfoliant clarifiant dans ce glow oil. Ce glow oil est composé des huiles végétales. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais tout réaliser devant vous. Je vais utiliser l'étoxyde d'Y qui va me servir de solvant pour dissoudre mes poudres. L'alkyl benzoate va me servir d'antimicrobien et de conservateur dans mon glow oil. Le tocopherol va renforcer la conservation. Le myristate isopropyl va permettre que mon huile pénètre sans laisser de film gras. C'est son rôle. Si vous n'avez pas le myristate isopropyl, vous pouvez utiliser le diméthicone si vous voulez. Donc là, on passe à la préparation. J'ai déjà pesé mes poudres au gramme près, comme vous pouvez voir. Là, je commence déjà par peser l'étoxyde d'Y, comme je l'ai dit tantôt. Il va me servir de solvant pour dissoudre mes poudres. Là, c'est le SEM White et l'acide salicylique que j'ai pesé au préalable. J'ai fait une préparation de 100 ml. Donc, je renverse dans mon étoxyde d'Y. Je tourne au bout de 2 minutes, ça fond. Pas besoin de chaleur. Pas besoin de chaleur. L'étoxyde d'Y dissout les poudres sans que vous ayez besoin de chaleur. Et c'est soluble dans l'huile. Je vous fais une autre vidéo là-dessus. Donc là, je suis venue rajouter l'acide férulique et mon ester de l'éthyle ou bien la vitamine C si vous voulez que j'ai pesé au préalable. Je tourne en 2 minutes, tout est fondu. Donc là, je vous montre, vous voyez, pas besoin de chaleur. Je tourne, je tourne, je tourne et hop, ça y est, c'est fondu. Ça y est, voilà, je vous montre, tout est fondu. Les filles, on pèse toujours tout au gramme près. Donc là, je vais venir rajouter le myristate isopropyl. Comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas le myristate isopropyl, vous pouvez utiliser le dicaprylide de carbonate ou le diméthicone. Les filles, tapez sur Internet, tout va sortir. Google est très généreux. Ça vous sort tout ce que vous n'arrivez pas à trouver. Donc voilà, je rajoute dans ma préparation, je tourne. Et là, je viens rajouter mes huiles végétales. Dans cette préparation, j'ai utilisé mon macérat huileux de curcuma et mon macérat huileux de papaye. C'est très bon pour l'été, là, ça fait glow. Vous l'utilisez ça le soir après vous avoir lavé le corps avec un bon savon noir bien composé. Ça va vous faire gagner au-delà même des deux teintes si votre salon est bien composé. Mais cette huile tout seul vous fait gagner une teinte et vous donne un éclat de fou. Donc là, je viens rajouter mon alkyl benzoate, comme je l'ai dit tantôt. C'est un antimicrobien. C'est un super pénétrant aussi. Ça joue plusieurs rôles dans cette préparation. Voilà, vous voyez, je prends avec mon petit truc là, j'ai oublié le nom, pour éviter de trop pencher parce que après j'en perds beaucoup. Donc, c'est tellement cher et précieux, je garde. Tous les actifs cosmétiques utilisés pour fabriquer cette huile, c'est disponible chez Secret de Marilyn. Et bientôt, vous pouvez acheter sur notre site internet bientôt. Je vous le ferai savoir. Donc là, ma préparation est presque terminée. Je viens rajouter ma vitamine E. Ma vitamine E, celle que j'utilise sur le tocopherol. C'est beaucoup plus efficace que la vitamine E. C'est une version de vitamine E. Il y en a plusieurs types, hein, si vous voulez. Hein. Vous avez le tocopherol, l'alpha-tocopherol, l'acétate-tocopherol. Il y en a plein de tocopherol. Mais celle que j'utilise sur le tocopherol, et c'est très efficace, ça conserve très bien. Bon, j'ai rajouté un petit parfum. Voilà.
utilisant un parfum qui est soluble dans l'huile. Parce qu'il y a certains parfums qui sont solubles dans l'eau. Si, malheureusement, si vous mettez un parfum qui est soluble dans l'eau, ça va vous faire un biphasé. Là, mon huile n'avait pas de phase. C'est pas de phase. C'est l'avantage d'utiliser le toxyde de glycol. C'est soluble autant dans l'eau que dans l'huile. Donc, voilà les filles, là, ma préparation était terminée. Vous voyez, mon huile, ça ne fait pas un biphasé. Hein. C'est une seule phase, lisse, super pénétrant, ça sent super bon, ça donne du glow à la peau. Voilà les filles, cette huile est disponible chez Secret de Marine si vous voulez la tester. Très efficace et ça donne des résultats brillants. La peau, elle brille. Voilà, voilà les filles, je vous fais un gros bibi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.